Allez, coucou tout le monde, c'est la Reïsa du 33. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche. Demain, vous avez vu sur mon Facebook, demain j'ai un rendez-vous très très important. Donc, il faut que je m'occupe l'esprit parce que je suis une nana super angoissée. Je fais des crises d'angoisse, hein, je pense que vous devez, enfin, beaucoup connaissent hein, ce genre de crise. Et il faut que je m'occupe l'esprit puisqu'il est hors de question que je prenne des médicaments. À part, je ne sais pas si vous connaissez en plante, on a les fleurs de Bac et je prends aussi, je vais reprendre là, je vais de l'homéopathie. Donc je vais en prendre ce soir, c'est de l'ignatia et du gelsénium 9CH. C'est 5 gélules, 5 petites granules. Je vais, voilà, parce que je veux pas. Je suis quelqu'un de stress et ça va se sentir. Et justement, il faut surtout pas que je sois stressée. Bref, voilà les nouvelles, les filles, et puis je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure. Donc, de toute façon, le rendez-vous, c'est demain matin. Je m'étais planté d'adresse, enfin bon, ça c'est encore une aventure à la Isa. Et j'aurai une réponse dans la semaine. Donc, quand j'aurai la réponse, je détaillerai bien ce rendez-vous. En attendant. Je suis partie à Nose, je suis partie à Action, parce qu'il me fallait des croquettes pour mes matous, vous savez. Donc là, ça va être un mix. J'ai décidé que, voilà, je renverse la poche, et c'est celle-ci d'Action. Et ben, on va faire un petit mix, un petit peu de tout. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, Action. J'en avais une il y a 2 ans. Alors, je sais pas, j'ai perdu le bouchon, les filles. C'est pour mettre à mes petits pieds-pieds. Parce que j'ai froid. Donc j'avais pris la couverture chauffante. Ben écoutez, moi elle n'a jamais fonctionné. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je vais me remettre à mes petites bouillottes. La bouillotte. Mais je ne sais. J'espère que j'ai le prix, les filles, parce que j'ai fait un petit peu du n'importe quoi. On va dire. La bouillotte, je crois qu'elle est dans les 3 euros, un truc comme ça. Voilà, donc moi, je mets mon eau chaude, je me le mets à mes petits pétons. Je suis très frileuse. Non, enfin, je suis frileuse. Là, admettons, tout est ouvert. Mais j'ai froid aux pieds. Donc, je mettais, vous savez, des couvertures dessus mes pieds. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai les pieds toujours froids, moi. Alors que non, je ne suis pas quelqu'un de frileux en général. J'ai repris des petites bougies comme si j'en avais pas assez. J'ai un bac rempli. Mais il me fallait cette couleur-là pour certaines raisons. J'ai repris. Alors, je crois que les bougies. Mince, alors, attends. Les bougies, je crois qu'elles sont à 1 et quelques. Donc, mettez bien 2 euros. On ne sait jamais. Hein, les filles? J'ai pris du spray pour nettoyer les verres de mes lunettes. Alors, je ne le connais pas. Sachant, mesdames, que les petites lingettes, pour moi, c'est de la merdasse. À peine tu la sors, tu fais un verre qu'elle est sèche. Donc, ne prenez pas ça. Vraiment, ne prenez pas les lingettes Action pour les lunettes. Je vous le déconseille fortement. Le spray nettoyant est très bien. Voilà, ça va partir. J'aurais dû en prendre 2. Ça va partir. Un là et un dans mon sac. Merde, j'ai pas pensé. C'est le spray nettoyant pour anti-buée et tout. Il est à 99 centimes. Alors, anti-buée, on verra. On verra, je n'ai pas testé. J'ai repris ces fameuses, vous savez, pour la circulation. Ils n'en font plus, hein, c'est fini. Hein. Le code est barré. Alors, moi, comme j'en ai retrouvé, mais écoutez, moi, je l'ai pris. C'était le dernier. Donc, comme ça, j'ai mon petit stock. Elles sont à 1,99. C'est vraiment pas cher. Alors, pour celles qui prennent l'avion et tout, ouais. C'est type 1. Après, on a le type 2. Bon, voilà. J'ai l'autre, mais j'arrive pas à les mettre. Comme je vous avais dit, il faut que je retourne à la pharmacie. Donc, voilà. Type 1, c'est parfait. Après, vous mettez pas ça peut-être toute la journée. Mais si vous devez, moi, admettons, si je reprends le taf, je travaille 4 heures, peut-être que je les mettrai. Ça va dépendre où est-ce que c'est, quoi. Vous voyez? On ne met pas ça non plus toute la journée, hein, les filles. Enfin, celle-ci. Les autres, je ne sais pas. Je me suis repris des masques. Alors, pourquoi? Parce que tous les masques que j'avais n'avaient pas cette barre-là. Et moi, il me faut des masques avec la barre, là. Parce que sans barre, c'est infernal. Il y a de la buée partout. Alors, elle m'avait dit de le retourner, mais même en le retournant, il y a de la buée. Alors, il faut faire gaffe.
Ceux qui sont à action avec la barre ont ce petit dessin-là, noir. Si vous n'avez pas ce dessin noir, c'est-à-dire, j'aurais dû vous en sortir un, c'est pas la peine, il n'y aura pas la barre. Donc, si vous en trouvez, si vous aussi, il faut ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la barre. Donc, évidemment, j'en ai repris, j'en ai 9 là, mais j'en aurai certainement peut-être pas assez. Mais bon, ça, dans mon sac. Allez, hop. Donc, j'avais, alors ils sont à 1 euro, hein. J'avais à l'époque, voilà, j'avais trouvé ça. Ils sont à Jiffy, les filles. Vous mettez vos masques dedans et dans le sac à main et basta. Vous voyez, regardez. Et là, il y en a quand même 9. Hein. Voilà, ça évite que ça traînaille. Sachant que dans la voiture, j'ai une espèce de petite boîte que j'avais pris à Action, évidemment. Et dedans, il y a du gel, des masques en papier, des gants et les protections, vous savez, si vous devez aller aux toilettes et que vous êtes ça. Voilà. Voilà, si vous devez aller dans des toilettes que vous ne savez pas trop, vous avez ça. Pareil, Action, les filles, hein. Ça se trouve au côté voyage, là où il y avait les valises et tout ça, vous savez, les coussins, machin, pour la nuque, ça se trouve là, hein, ce que je viens de vous montrer. J'ai repris pour allumer mes bougies, ça. Le grand, il est bien, le problème, on vous dit qu'il est rechargeable, non. Non, non. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai repris celui-ci. Apparemment, ce serait rechargeable aussi. Mais bon, c'est les deux pour 2 euros, je crois même pas à peine. Et pour allumer les bougies, c'est très bien. Je me suis pris un nouvel agenda. Alors, regardez. J'ai celui de ma fille qui arrive. Donc, celui-ci, là, c'est pour mettre, vous savez, dans mon petit sac noir que je mets en bandoulière. Je me sers beaucoup de ce sac à main. Et des fois, bon, voilà, je sais pas trop. Donc, alors, ce qui est emmerdant, excusez-moi du terme, c'est qu'il commence en décembre. Et moi, j'ai déjà des rendez-vous de planifier bien avant décembre. Donc, bah, écoutez, je vais le mettre quand même dans mon petit sac et puis nous verrons. Alors, j'ai pris aussi ces chaussettes. Alors, pourquoi j'ai pris celles-ci, je vais vous dire. Parce que je fais de la rétention d'eau, mesdames. Et donc, on a les chevilles gonflées. Donc, les chaussettes qui s'arrêtent aux chevilles, vous savez, un petit peu avant, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça serre. Donc, moi, je prends avec cette partie très large, vous voyez. Alors, regardez bien, vous aussi, si vous voulez cette partie très large. Il n'y en a pas des masses. J'en voulais des noirs, j'ai trouvé que des marrons. Bon, c'est pas bien grave, vu que je vais remettre des petites bottines que je me suis trouvées à Noz, que je vais vous montrer d'ailleurs. Il va falloir que j'aille chercher deux, trois trucs. Donc voilà, donc j'ai pris trois paires, et en fait, il y en avait deux dedans, j'ai pas fait gaffe. Ces petites soquettes là, ça. Je ne sais pas si j'ai le bon ticket, c'est ça qui m'ennuie, le spray nettoyant. Bon, je vous l'ai montré. À 99 centimes, les allume-gaz, donc les deux pour 1,42 €. Et là, je vois qu'il y a photophore vert, divers variantes à 0,42 €. Ah. Un photophore en vert que j'en ai plein de photophores. J'ai pas de souvenirs, celui-ci. Il est là? Non, il n'est pas là. Bon, enfin bon, bref, j'aurais peut-être acheté un photophore, mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas souvenance d'avoir acheté un photophore en verre. Puis pourquoi j'aurais acheté un photophore en verre, puisque moi je fais ça. Vous voyez, je prenais les trucs dedans, il y avait une bougie, je les nettoie et je mets ça. Ça fait, vous devez pas voir, c'est con. Voilà, ça fait comme des petites bougies. C'est mignon et c'est rigolo. Par contre, ça me turlupine, cette histoire de photophore en verre. Non, j'ai pas de souvenance. Franchement, j'ai pas de. Un photophore. Ben, ça. J'ai aussi pris des chaussettes pour Fabrice. Donc, le lot de 4 chaussettes pour 4, 2 euros et quelques. Elles sont bien, elles sont jolies. Alors, d'habitude, je prends toujours les mêmes couleurs parce que moi, je suis comme vous. Il me manque toujours une chaussette. Donc, ou je prends noir ou je prends blanc. Je ne me fais pas caguer. Voilà. Donc, comme ça, je suis sûr d'avoir les mêmes.
que là, je les ai trouvées mignonnes. Il y avait des petits dessins dessus, donc je lui ai pris. Je lui ai pris parce que là, il n'est pas là, donc il a le bonnet thermophile un peu. Faites attention, il serre un peu. Donc là, j'aurais dû prendre un peu plus grand, mais je ne sais pas s'il y a les tailles ou pas. C'était la promotion, donc ça, je lui ai pris. Je ne peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas là. Par contre, c'est quoi ce photophore en verre? Et franchement, les filles, j'ai pas de. Le cabas, la bouillotte, les chaussettes, les masques. Bon, les masques, ça, je vous les ai montrés. Qu'est-ce que ça peut être, ça, alors? Le spray, les allume-gaz, photophore en verre. 7 sur 8 cm en plus, mais c'est un truc énorme. Un photophore. Bon, ça, vous me connaissez. Tant que je n'aurai pas trouvé ce que c'est, ça, me prendre le citron. Bon, bref. Donc, je me suis pris des petites bottines à 15 € qui sont jolies, ma foi, mais bon, vraiment toutes simples, noires, des bottines. Alors, j'ai trouvé ce genre de petits bijoux que je trouve très, 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 très mignon à Noz pour 1 €. Et franchement, c'est super mignon. Donc, je pense que ça peut servir pour autour de la taille ou un truc sympa. Mais je ne vais même pas le toucher parce que je ne vais pas le modifier parce que je trouve ça très, très mignon. Vraiment. Ceci étant dit, je peux l'ouvrir avec vous. Enfin, l'ouvrir. Je vais le défaire avec vous. Mais. Je trouve ça mignon parce que chez nous on n'a pas trop de bijoux, etc. C'est relativement rare par rapport à Belouchette qui a vachement de bijoux, de maquillage, tout ça là-bas. Par chez elle, il y a beaucoup beaucoup de choses dans le nord, hein, toujours. Ici chez nous, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, c'est très long. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Même limite pour les lunettes, vous savez, pour attacher vos binocles, mettre dans les tifs. Enfin bon, moi je suis très, très imaginative. Je sais que je trouverai où les mettre. De plus, j'ai trouvé celui-ci. Pareil, pour 1,20 €. Il est mignon, il est tout rose. J'aime bien, moi. Et alors, sachez qu'ils tiennent super bien. C'est aimanté. J'en avais déjà pris et ils tiennent super bien. Alors, j'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que c'est, il y a de l'hématite. C'est protecteur, 1,20 € aussi. Et l'autre pierre, je ne sais plus. Et je le trouve. J'ai rien trouvé. Attendez. Le ciseau dans ma caserne. Ici, on est dans ma caserne d'Alibaba. Hein. Là, il y a tout. On va l'ouvrir. Et j'aime beaucoup ce genre de bracelet. Oui, vous l'entournez. Autour du poignet. Donc, vous avez de l'hématite, ça, c'est sûr. Et après, l'autre pierre. Donc, je crois que. Non, c'est du verre. Mais j'irai voir quand même parce que ça m'interpelle. Et j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous le mettez où vous voulez. Voilà. Et alors, ce genre de petit bracelet qui est très très sympatoche, avec des croquis, des coquillages, c'est des croquis, ça s'appelle. Il y a des personnes qui font des tirages. Des médiums hein, qui font des tirages avec ce genre de coquillage. Suivant comme il tombe, on a la réponse, par exemple. Bon, moi je le ferai pas, mais comme je trouve que c'est sympa, suivant la tenue que tu te mets, tu vois. C'est assez sympa. Voilà. Et alors, pour rigoler, regardez ce que j'ai trouvé. Une licorne, fille. Alors, je ne sais pas si je mettrai ou pas, mais je trouvais ça mignon. Alors, je me le suis pris. Il était à 1,20 €. Ah, ils sont tous à 1,20 €. Ok. Made in China, bon, on s'en fout. Faction. Bon, en fait, c'est un nickel, on s'en fout. On fera pas d'allergie. Hop, hop. Regardez ça si c'est joli. En fait, c'est très rigolo, quoi. Voilà. C'est rigolo. Donc, ça va là. Voilà. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est ce fameux photophore. Je ne sais pas du. Mais je sais pas, franchement. Un photophore. Non, je ne sais pas les filles. J'ai pas acheté de photophore. Photophore, j'en ai plein, j'en ai partout. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais acheté ça, quoi, tu vois. Puis je. Et puis, où je l'aurais mis, parce que.
J'ai touché la poche ensemble avec vous. Non, mais franchement, je ne sais. Un photophone. Ah, puis alors. Enfin, je me connais comme si je mets. Alors, ça, voilà. Ça, c'est génial. Vous savez, quand vos bougies, elles arrivent à l'article de la mort, pour les allumer, on va chercher des allumettes, des bouts de trucs, des machins. Au final, vous avez ça, c'est parfait. Par contre, l'autre, c'est vrai qu'il est bien, le grand, là. Vous savez qu'il se tord dans tous les sens. C'est vrai qu'il est bien. Mais bon, déjà, il est un peu plus cher. Et moi, je l'avais pris pensant pouvoir le recharger. Je ne peux pas. J'y arrive pas. Voilà, mesdames, le petit haul est fini. J'avais dit, hein, je mélangerai un peu de tout. Voilà. Donc, mais je ne sais pas quand est-ce que l'on va se revoir. Vous savez à quoi je pense là? Photophore. Si je trouve le photophore, je fais une vidéo. Parce que franchement. Non, non, sérieux, un photophore. J'ai pas acheté de photophore. Parce qu'un photophore, c'est bien le truc où il y a la bougie dedans, etc. Non, non. J'en suis mais persuadé. Je vous ai montré les lingettes, oui, regardez ça, pas casse. 80 lingettes hygiéniques. Tu nettoies tout avec. Le problème, c'est que j'ai pas le prix. C'est comme j'ai pas le ticket de noces. Voilà les filles. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais à tous et tous un gros bisou. Bonne fin de week-end si vous avez cette vidéo avant la fin du week-end, parce que sachez qu'on est dimanche et il est 9h48. Et je vais me mettre en quête de ce fameux photophore. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, attention, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte, parce que c'est du grand n'importe quoi en ce moment, enfin bon, bref. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et je pars à la quête du photophore. Bisous.